Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle histoire. Comme d'habitude, avant de rentrer dans la lecture de cette histoire, je te propose d'observer attentivement la première de couverture de cet album. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois mmh, Oui, on voit une espèce de grand nuage rouge, probablement un monstre rouge. Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on voit d'autre oui, on voit un petit garçon. Qu'est-ce qu'on voit d'autre Un fond blanc, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on voit d'autre On voit des lettres bleues. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle Tu t'en souviens Oui, c'est le titre du livre, de l'album. Et ici, qu'est-ce que c'est J'imagine que tu le sais depuis, ma... depuis le temps que l'on s'entraîne à observer les premières de couverture. Oui, c'est le, le nom de l'auteur. Donc, euh, c'est Mireille Dalancé qui euh, a fait les illustrations, les dessins de cet album et également qui a écrit cette histoire. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer C'est ce qu'on va voir. Ah, tu vois, ce livre-là, je l'ai pris à la bibliothèque. Donc, euh, rappelle-toi que lorsque tu empruntes un livre, eh bien, euh, il faut respecter cet objet parce que quand on a un livre, eh bien, on apprécie euh, de l'avoir en bon état. Donc, n'écris jamais sur tes livres, qu'il soit à toi ou qu'il ne soit pas à toi. Robert a passé une très mauvaise journée. Oh là là, enlève tes baskets, dit son père. Voilà, dit Robert. Au dîner, il y a des épinards. T'es pas malade s'exclame Robert. Monte dans ta chambre, dit son père. Tu redescendras quand tu seras calmé. Ça m'étonnerait, répond Robert. Et là-haut, dans sa chambre, Robert sent une chose terrible qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'à ce que... Ah! Elle sorte d'un coup. Salut lui dit la chose. Qu'est-ce qu'on fait bah, tout, 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 tout. Tout, tout, tout ce que tu veux, dit Robert. Bien, dit la chose. On va commencer par là. Et hop La couette se met à voler, avec tous les coussins. Crac, la table de nuit. zig la lampe. L'étagère et tous les livres y passent. Géant Et puis la chose s'approche du coffre à jouets. Attends, pas ça dit Robert. Tu entends Arrête, arrête Oh non, pas mon camion préféré Attends, je vais te réparer. Et toi, gros nul, disparais Tu as intérêt à te faire tout petit. Oh, ma petite lampe, attends, je te redresse. Et toi, mon petit oreiller tout cabossé. Et mon livre préféré, il t'a tout froissé, mon pauvre. Là, c'est mieux comme ça. Ah ah ah, tu es là, toi. Viens ici que je t'attrape. Allez, oust, dans la boîte. Et on ne bouge plus. Papa, est-ce qu'il y a du dessert Alors dis-moi, je vais te poser quelques petites questions pour voir si tu as bien compris cette histoire. Est-ce que tu te souviens quel est l'événement qui euh, a énervé le petit garçon qui s'appelle Robert alors oui, il avait passé une, bonne, une mauvaise journée. Oui, son papa lui a demandé de retirer ses chaussures parce qu'elles étaient pleines de boue et qu'il laissait plein de traces dans la cuisine. Et oui, encore une fois, il était énervé de voir que le repas, c'était des épinards. Et il a mal répondu à son papa, qui l'a envoyé dans sa chambre. Soit dit en passant, c'est euh, très bon pour la santé les épinards, parce que ce sont des légumes qui contiennent euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de fer, c'est très bon pour la santé. Et puis Robert, oui, il est monté dans sa chambre, et là, qu'est-ce qui s'est passé Oui, il y a un gros monstre rouge qui est sorti de sa bouche. Est-ce que tu sais ce que ce gros monstre représente Oui, ça représente la... Colère. La colère, c'est une émotion qui peut parfois servir quand on trouve que quelque chose est inacceptable, mais cette émotion, c'est un messager et un messager euh, dont on doit garder le contrôle. Est-ce que c'est vraiment euh, le monstre qui. Euh, le monstre colère qui a cassé euh, le beau camion Non. Il se met, Robert se met en colère contre le monstre, mais en vérité, qui a cassé le camion Et oui, c'est Robert lorsqu'il était énervé. Ce monstre-là, il représente la colère de Robert. Et il a des regrets de s'être mis en colère et d'avoir cassé son beau camion. Et est-ce qu'il était content d'avoir cassé son joli camion Non, il a eu des regrets. Toi, qu'est-ce que tu aurais pu conseiller à Robert pour éviter euh, de casser son camion et pour autant euh, revenir au calme Qu'est-ce que tu aurais pu lui proposer Oui, euh, on le fait en classe. Tu, parfois, tu me dis que tu le fais à la maison aussi. Faire un petit peu de temps calme, c'est-à-dire fermer les yeux, attendre que la colère s'évanouissent petit à petit, ressentir ce que ça fait dans ton corps cette colère, à qu à attendre qu'elle euh, s'échappe, que ta météo revienne euh, à un beau intérieur, que attendre que le soleil revienne et que la pluie et les nuages, les gros nuages de colère, s'en aillent. Oui, c'est une bonne idée. Et oui, une fois que le calme est revenu, partir euh, calmement, euh, chercher une explication et des solutions aux choses qui t'ont mis en colère euh, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, euh, avec tes camarades de classe quand tu les reverras. Effectivement. Donc la prochaine fois que tu te mettras en colère, tu penseras peut-être au camion de Robert et tu te diras, non, je n'ai pas envie de faire du mal aux autres ou je n'ai pas envie de casser euh, les choses que j'aime. Je peux peut-être fermer les yeux, observer cette colère, prendre du temps pour que cette colère s'en aille, et euh, trouver des solutions une fois que tu es calme. Et tu vois qu'à la fin de cette histoire, eh bien Robert, il a retrouvé son calme, il a retrouvé le sourire, il avait juste besoin d'un petit temps euh, au calme pour se recentrer sur lui-même, pour euh, observer sa colère. Et euh, finalement, elle s'est évanouie, elle s'est envolée. Et Robert a pu rejoindre ses parents et être au calme pour discuter avec eux. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette histoire et que tu t'en souviendras la prochaine fois que tu te mettras en colère pour trouver de meilleures solutions. Je te souhaite une excellente journée ou soirée. À bientôt.